Venez. Voilà. Je suis de retour. Bonsoir la famille, la familia. Bonsoir à tous. Je me connecte ce soir pour qu'on parle encore de ce fameux problème de la diaspora, victime de l'arnaque, n'est-ce pas? Et la diaspora qui est considérée comme une diaspora esclave pour servir les familles restées en Afrique. C'est un phénomène qui prend de plus de l'ampleur et je pense que j'ai pris assez de temps comme ça pour mettre en place notre émission, n'est-ce pas, où les gens pourront essayer de parler, d'exposer leurs problèmes. Et pourquoi pas, on pourra parfois, des fois, confronter même les membres des familles escrocs, là. Parce que les gens doivent comprendre que la diaspora, c'est pas la vache à lait. La diaspora, c'est pas la vache à lait. Je vous prends le cas, le dernier cas qui m'est parvenu récemment, c'est une femme qui, n'est-ce pas, elle m'a envoyé un voice. Bon, je n'ai pas eu son autorisation pour publier le voice, mais elle a son mari, n'est-ce pas, qui est actuellement en asile psychiatrique. Elle a son mari qui est en asile psychiatrique. Il a pété un câble. Il a pété un câble, pourquoi ? À cause de la famille en Afrique. Il a pété un câble du jour au lendemain, comme ça, il est en asile psychiatrique. Est-ce que vous vous rendez compte un peu des dégâts que vous causez? C'est-à-dire que c'est un peu genre, on a mis dans la tête de ceux qui sont restés en Afrique que la diaspora, c'est la vache à lait. Vous voyez un peu les vaches là, n'est-ce pas, dans les fermes, comment on traite le lait, on s'en fout, on traite seulement le lait. Sauf que dans les fermes là-bas, on nourrit au moins la vache pour traire le lait. Bonsoir Josiane, bonsoir Truman, bonsoir à vous, bonsoir... The Lion, bonsoir. Eton Deluxe, bonsoir ma mère, merci pour les partages. Ouh, bisous là-bas, tu es génial. Merci beaucoup pour les partages, Eton Deluxe. Ici sur TikTok, on voit, quand quelqu'un partage, on voit. Tous ceux qui sont connectés là et depuis et qui ne partagent pas là, moi je vois. Quand tu partages sur TikTok, ça affiche partager. Eton Deluxe a partagé au moins 10 fois. Je vois Eton Deluxe a partagé là, Eton a partagé, Eton, elle a... Bravo ma mère, tu connais, c'est toi qui connais le schéma. Quand vous vous connectez dans un live, partagez. C'est-à-dire, vous partagez déjà, surtout le live, n'est-ce pas, sur la page d'une personne où vous êtes abonné. Une page où vous êtes abonné, vous connaissez déjà la personne, vous n'avez pas besoin d'écouter la personne pour partager. Donc, dès que vous vous connectez, vous partagez, ensuite vous cliquez là, vous partagez même sur les WhatsApp, vous partagez même sur Facebook, vous partagez partout, parce que c'est ça qu'on appelle la sensibilisation. Et quand vous avez fini de partager, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à mettre les cœurs. Vous mettez les cœurs. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, la famille. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà. Voilà. Donc, j'étais justement de disant ce que... Voilà quelqu'un. Je n'ai pas l'autorisation, sinon je vous passais l'audio. Voilà quelqu'un qui est en asile psychiatrique aujourd'hui. Après 28 ans en Europe. Oui, je crois qu'elle a dit 28 ans, oui. Après 28 ans, l'histoire là m'a choqué, j'ai failli couler une larme. Après 28 ans, oui, Josiane Nenda, d'accord, continue seulement de partager, ça doit arriver même à Londres. Oui, partage seulement. C'est triste. Pourquoi? Parce que le gars a passé toute sa vie à travailler pour envoyer à sa famille.
en Afrique. Tous les problèmes de la famille, c'est sur sa tête qu'on a déposé. Tous les problèmes de la famille, c'est sur sa tête qu'on a déposé. Tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, il est seulement en train d'envoyer l'argent. Il envoie l'argent. Il envoie l'argent. Il envoie l'argent. Lui-même, il est ici, là, il ne s'en sort pas. Il travaille dur. Il n'arrive pas à s'acheter une chaussure. Il marche avec les chaussures trouées. Sa femme lui dit que mais c'est comme, parce qu'il a fait comme ça pendant au moins 20 ans de sa vie. Et il vivait dans une maison partagée. Donc quand il a rencontré sa femme, qu'est-ce que sa femme a fait? Sa femme a essayé, n'est-ce pas, de le faire sortir de là. Et ensemble, ils ont pris un appartement. Il a fait un an, n'est-ce pas, un an seulement. En un an, sans envoyer, il a réduit. Parce que sa femme, comme il venait de se marier, elle a essayé de réduire la façon dont il envoyait l'argent constamment en Afrique. Elle a réduit. En un an, ils ont pu avoir un appartement tout jusqu'à s'installer bien. Sauf que la débâcle, ça a recommencé. On invente les... Je ne vais pas aller en profondeur parce que je n'ai pas l'autorisation de publier, donc je ne veux pas aussi donner des indices que des gens se reconnaissent. On invente les maladies. On invente même les décès. Je dis, on invente les décès. Et je vais donc vous dire... Non, je vais quand même dire un peu cette partie-là. Je vais quand même vous dire un peu cette partie-là. Ils sont partis jusqu'à lui annoncer le décès de quelqu'un qui n'était pas mort. Et donc, le gars a été traumatisé quand il a vu la personne le jour où il est parti au pays. Il est parti au pays à l'improviste. Et malheureusement pour lui, il est tombé sur la personne. Ça a tiqué dans son cerveau. Il n'arrivait pas à comprendre. Quand il est revenu ici, là, il n'avait plus toute sa tête. Parce que pour lui, c'est qu'il avait vu un fantôme. Tout ce qu'on lui explique, il avait vu un fantôme. Il n'en revenait pas. On dit que ce n'est pas la personne ce qui est d'ailleurs. Jusqu'à j'ai fait le deuil, j'ai envoyé, on m'a envoyé les photos du cercueil, on m'a envoyé l'enterrement, on m'a envoyé ci, on m'a envoyé ça. Il arrive au pays et il voit la personne vivante. Il a tiqué. C'est comme ça qu'il est revenu ici. Sa tête a pamela. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital, comme ça, ça en va pas. On a été obligé de l'interner en asile psychiatrique. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la femme est en larmes. Elle ne sait pas comment elle va faire avec les enfants, tout, tout, tout. Le gars est enfermé en asile psychiatrique. Ça ne va pas. Il a failli se suicider, les trucs comme ça. J'ai dit, c'est terrible. Je ne vais pas donner trop d'indices ici, pardon. Quand j'aurai l'autorisation de la dame, je vais vous... Je vais vous publier l'audio, mais vous allez avoir les frissons. Mais vos enfants qui viennent en Europe d'abord pour se chercher. Si quelqu'un n'est pas bien en soi, si quelqu'un n'est pas bien positionné, comment est-ce qu'il va faire pour aider les gens? Et même que l'aide là n'est pas obligatoire. Parce que si tu es là, si tu as tes deux mains, tes deux pieds, tu es debout, tu es en santé. Mais tu comptes sur quelqu'un qui a deux boulots, parfois trois boulots. Il sort le matin à 4 heures en plein hiver. Il brave le froid. Il va, il prend les transports en commun. Ses pieds gonflent parce qu'il n'a pas mis des chaussures bien chaudes. Il s'en va travailler. Il t'envoie l'argent pour que tu fêtes l'anniversaire avec tes amis. Tu prends 150 000, 200 000 francs pour aller fêter l'anniversaire avec tes amis. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, il y a des gens qui me connaissent bien. Et moi, j'aime souvent raconter cette petite histoire. Avec 2 000 francs CFA, je suis devenu autonome financièrement. Je ne dépendais plus de mes parents. Mon père m'avait donné 2 000 francs. Il partait à un deuil. Ma mère était à un deuil. Lui, il devait partir à un autre deuil. J'étais seul à la maison.
Mon père, en partant, m'a donné 2000. Il m'a dit, gère-toi le week-end, la semaine passée, devait faire, je crois, une semaine. Gère-toi donc la semaine jusqu'au week-end avant que j'arrive. Vous savez ce que j'ai fait avec les 2000 francs? Je suis parti à Mokolo. J'avais un ami qui vendait les habits à Mokolo. Je suis parti à Mokolo. Il lui a dit que, gars, bon, j'ai deux colos ici, là. Moi, je pense qu'il faut que je me batte un peu avec les dossiers pour générer d'autres pendant les vacances ici. Il m'a dit non, et que deux colos même, c'est beaucoup. On est parti à un endroit là-bas où on déballait les bodys des femmes, là, les bodys des femmes. C'est comme ça là que j'ai acheté les bodys. 3000, 6 bodys. Si j'ai encore bonne mémoire, 6 bodys. Il m'a aidé, on est parti chez un gars, un couturier là, on a arrangé un peu les bodys. Ensuite, il m'a donné des cintres. J'ai mis. Il m'a branché avec des gars qui vendaient à la saute. C'est-à-dire des gars qui vendaient à marchand là, de Mokolo. Ils avaient une façon de tourner. Je suis parti avec eux. J'ai vendu les 6 bodys le même jour à 6000 francs. Donc je suis parti le matin avec 2000. Je suis rentré le soir avec 6000 francs. Et ça m'a sucré. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au final, j'ai eu un comptoir à Mokolo. Et après Mokolo, j'ai eu un comptoir au marché central. Après les habits, je suis descendu. Quand on m'a cassé, toujours c'est Timmy Evouna qui m'a cassé à Mokolo. Il m'a cassé au marché central. Je suis descendu dans les téléphones portables. Avec l'argent là, descendu dans les téléphones portables, il a encore cassé. Mais avec 2000 francs, j'ai pu faire quelque chose. J'ai trouvé un filon. Donc c'est-à-dire que toi qui es au pays, au lieu de demander 200 000 pour ton anniversaire, 150 000 pour ton anniversaire, ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle qui est ici en Europe se bat dur. On t'envoie l'argent. Cherche un petit couloir. Vous exagérez dans le pays là. Vous exagérez en Afrique. Et ça ne touche pas seulement l'Afrique, hein, même les Caraïbes et consorts là apparemment. Bref, nous les Noirs. Oui. Je vais donner un conseil à toutes les personnes qui sont ici en diaspora. Vous qui êtes sortis pour vous battre, vous n'êtes pas les esclaves des familles restées en Afrique. Et je vais vous dire que c'est vous qui les rendez feignants. C'est vous qui les rendez feignants. Parce que moins de choses, vous, tu as envoyé 50 euros ici, moins de choses 20 euros là-bas, moins de choses 30 euros là-bas, prends la calculatrice et commence à calculer le nombre de fois où tu envoies 20 euros, 30 euros, 50 euros par mois. Tu fais le total et tu viens me dire. Toi-même, tu n'es pas bien positionné. Le plus scandaleux, c'est que j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un Boza. Il appelle sa famille que oui, j'ai Boza, je suis en Italie. Une semaine après, on lui pose les problèmes d'argent. S'il mourait dans la mer, vous alliez dire quoi? Je dis, il appelle, qu'il a Boza. Oh, j'ai Boza. Mon fils est en Italie. Oh, mon frère est en Italie. D'accord, bam. Une semaine après, on lui demande de l'argent. Il prend l'argent là où? Ce n'est pas leur problème. Prends l'argent là où tu veux. Ce n'est pas leur problème. Et il y en a donc qui s'engouffrent souvent dans des histoires. Juste parce qu'il faut satisfaire les désirs, les besoins de la famille. Il y a d'autres qui veulent montrer que comme je suis arrivé en Europe, il faut que je me fasse voir. Donc il faut que j'envoie l'argent en Afrique constamment pour qu'on dise que oui, j'ai beaucoup d'argent, je suis en Europe. Détrompez-vous. Parce que le jour où tu vas arrêter d'envoyer, c'est là où tu verras le vrai visage de ces gens. On ne te considère pas. On considère ce que tu envoies. Il faut nuancer. Vous qui envoyez constamment l'argent pour des histoires, dormir debout tout le temps, vous envoyez l'argent tout le temps là. Arrêtez d'envoyer l'argent pendant une seule seconde. Et vous allez voir le vrai visage des gens. Parce que quand tu passes le temps à donner, on t'appelle pour moins de choses. Tu envoies, non, bon, je vais t'envoyer un peu. Tu envoies 50 euros, on simplifie même. Tu envoies 100 euros, on dit que ce n'est que ça. Mais tu envoies quand même. Vous envoyez. Dis un peu un jour que bon, je n'ai pas. C'est là où tu vas voir le vrai visage des gens.
Voilà pourquoi j'aborde cet angle, parce que avant même d'accuser la famille qui est en Afrique, je nous accuse d'abord nous-mêmes, parce que c'est nous qui les rendons fainéants. Et je vous avais expliqué ici, dans la dernière vidéo, le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui donner, c'est pas en lui donnant les 5 francs. Tu trouves un moyen de positionner la personne et tu quittes sur ça. C'est comme ça. Tu quittes sur ça. J'ai des histoires ici. C'est-à-dire que j'ai des histoires ici. Voici une dame, par exemple. Voici une dame, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sent comme si elle est envoûtée par sa propre mère. Donc, c'est-à-dire elle sent comme si elle est envoûtée par sa propre mère. C'est-à-dire sa mère est en train de nuire à sa vie. Sa propre mère qui l'a mis au monde. Parce que sa mère estime que, comme sa fille est en Europe, elle doit manger derrière sa fille. Manger même au prix de la vie de sa fille. Écoutons un peu cet audio. Partagez ça. On va un peu écouter l'audio aussi. Je pense qu'elle, elle ne m'a pas... Donc elle n'aura pas de problème si je partage son audio. C'est une dame sénégalaise. Écoutez. Bonjour Max et merci pour votre réponse. Voilà. Je suis d'origine sénégalaise, donc pour vous dire aussi que cette histoire touche bien aussi le Sénégal. Je suis du Sénégal et je n'ai que ma mère qui me reste. Et je vis une situation pareille, franchement une situation de vampirisme. Et la situation est telle que moi, en plus de tous ces témoignages, bien sûr, je ne reviendrai pas dessus. Ma mère utilise en plus la sorcellerie. Donc, à distance, pour pouvoir toujours s'accaparer tout ce que j'ai, et depuis tout le temps. Là, cette soirée, je discutais avec une amie. Je mets un peu en x2 pour qu'on ne remarque pas sa voix. Parce que même elle ne m'a pas donné l'autorisation de partager, mais elle m'a dit qu'elle est disponible à venir intervenir. Donc, je pense dans cet audio-là, donc elle peut venir intervenir sur TikTok. Donc, du coup, je peux partager son audio. Vous voyez un peu, voilà. Et en lui disant à quel point, bon, là, c'était le ras-le-bol et que mon esprit me disait qu'il fallait faire face à ça, qu'il fallait combattre et qu'il fallait que j'affronte ma mère. Et donc, cette soirée, je me disais que j'allais passer une soirée détente pour me faire du bien parce qu'il est arrivé des moments où je suis passée par des tentatives de suicide, toujours par rapport à l'argent avec ma mère. C'est juste ma mère qui me pose ce souci. Et c'en est plus difficile que, comme c'est ma mère, et que je me dis qu'on n'a qu'une mère sur cette terre. Donc, c'est pour ça que ça a été très, très, très difficile de faire face à ça, parce que moi, je n'ai connu qu'elle. Ma mère est divorcée de mon père depuis mes 2 ans. Donc, je n'ai connu qu'elle. Et donc, étant née en Côte d'Ivoire, ma mère d'origine sénégalaise, donc, à son divorce, nous sommes allés à Dakar. Et donc, de mes 2 ans jusqu'à mes 19 ans, je n'ai eu que elle. Donc, je me suis accrochée que vraiment à elle, d'où cet amour indéfectible que je loue à ma mère. Et raison pour laquelle ce combat est très, très, très difficile. Mais heureusement, spirituellement, Dieu me montre à quel point que même malgré que ce soit ma mère, je dois y faire face. Parce que ce sont des vieux schémas. Africains que nous devons absolument détruire. Et pour ça, comme on dit le vieux adage, ce à quoi tu fais face s'efface, et ce à quoi tu et ce qui persiste et ce à... et ce que tu résistes persiste, voilà, et ce qui à quoi tu résistes persiste. Voilà, j'essaie de me rappeler de ce vieux adage. Donc, je pense que la solution, c'est d'y faire face. Et voilà, donc, merci encore beaucoup. Et j'espère que j'aurai l'occasion avec d'autres de pouvoir faire partie de cette grande soirée. Merci encore beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, vous avez des gens, même leur propre mère, ta mère qui t'a mis au monde te considère comme une viande brisée à manger avec beaucoup de piment. C'est-à-dire, ta mère, ta propre mère te considère comme le soya. Elle s'en fout de savoir comment tu vis, de ce que tu fais pour avoir de l'argent. Comment est-ce que tu fais pour avoir cet argent? Non, non, non. Tout ce qui l'intéresse, c'est que tu dois lui envoyer l'argent. Tu dois envoyer l'argent. Pour un tout, pour un rien, tu envoies. Tu envoies, elle simplifie. Tu envoies, elle simplifie. Tu dois seulement faire.
Il y a une autre qui m'a envoyé un voice que je suis en train de chercher là où elle dit que sa mère lui a dit qu'elle, elle doit travailler pour tous les autres enfants qu'elle a eus. Donc sa mère lui dit qu'elle est en Europe. Elle doit travailler pour tous les autres enfants que sa mère a eus. Donc les enfants sont au pays. Ils font les anniversaires, ils font les virées entre amis, ils vivent la belle vie, la grande vie. Et la fille est ici en Europe, elle souffre. Elle ne peut pas se mettre en couple. Parce qu'à chaque fois qu'elle se met en couple, dès qu'un homme veut lui dire, écoute, tu ne peux pas vivre comme ça là, sa mère entre dans sa relation. Elle finit par se séparer. Dès qu'elle est avec un autre... Même chose, sa mère ne veut pas qu'elle se marie, sa mère ne veut pas qu'elle soit en couple. Tout ce que sa mère veut, c'est qu'elle envoie l'argent. Qu'elle envoie l'argent à ses petits frères. Elle doit entretenir ses petits frères. Elle doit payer l'école de ses petits frères. Elle doit les habiller. Et tu vois des gaillards, carrément des gaillards. Petits frères et sœurs, tu vois ses petites sœurs et ses petits frères sont là-bas au pays, c'est la magie, c'est la chimamelu, comme on dit souvent. Quand tu les vois, tu penses que c'est les enfants du président de la République, alors que c'est leur grande sœur qui est ici, là, en train de, c'est-à-dire elle est en train de se... Wouh! Et le problème, c'est que sa mère l'a eu avec un autre homme, et sa mère maintenant est avec un autre homme. C'est-à-dire l'homme avec qui sa mère est actuellement n'est pas son père, parce que son père, lui, il est décédé. Donc, tous ses autres petits frères et sœurs qu'elle a eu là, c'est avec que sa mère a eu, c'est avec l'autre homme. Et l'autre homme est là, il est vivant. Mais c'est elle qui doit travailler en Europe pour entretenir et sa mère, et le mari de sa mère, et ses petits frères et sœurs. Le dernier, elle m'a raconté le dernier... homme avec qui elle était, sa mère est partie jusqu'à inventer des choses dans sa vie. Inventer des choses. Vous savez, la fille a tellement mis sa tête sur le travail qu'elle a oublié d'avoir des enfants elle-même. Et donc, quand elle commence à chercher les enfants ne viennent pas. Elle est trop stressée parce que chaque fois que son téléphone sonne de l'Afrique, c'est les problèmes. À n'en plus finir. C'est des problèmes. Donc, avec son dernier type, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Elle serre les coudes avec son type. Son type aussi met la cale. Sauf que sa mère entre là et elle dit au type que « Est-ce que tu sais que la fille là, elle n'accouche pas comme ça parce qu'elle a passé son temps à avorter quand elle était ici au pays ?» Le gars reste comme ça, il dit « Hein ?» Donc, depuis, on est là, on cherche l'enfant comme ça, là, alors que c'est que toi, tu as passé ton temps à avorter les enfants, tu vivais une vie de débauche, tu portais les enfants à gauche, à droite, à gauche, à droite. Salut, Momo, comment tu vas? Sa mère, quand la mère d'une femme vient te dire ça, toi, tu te... Le gars est parti, signant, parti. La fille a failli péter un câble. C'est pour ça qu'elle m'a fait ce témoignage-là. Et elle m'a fait ce témoignage au téléphone. En fait. Il y a de ces histoires, c'est-à-dire que il y a de ces histoires comme ça que quand tu restes là, tu écoutes, tu peux tomber comme ça là, tu tombes, tu as l'AVC. L'AVC te prend une fois. Donc la mère ne veut pas que la fille se mette en relation parce qu'elle veut avoir possédé sa fille. Que sa fille travaille toute sa vie rien que pour lui envoyer l'argent. La méchanceté absolue. Et la diaspora doit arrêter d'infantiliser les familles qui sont restées en Afrique. Parce que c'est vous aussi le problème. Vous les infantilisez. Vous les infantilisez. Et c'est trop. C'est trop. Tes commentaires sautent comment, Yola Spock? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Tu sais, TikTok, je ne maîtrise pas encore. Tapotez la famille, mettez. Il y a les gens qui ont des problèmes là. Peut-être c'est dû, peut-être ça des signalements, je ne sais pas trop. Donc, l'algorithme aime quand vous mettez les cœurs. Donc, mettez seulement les cœurs. J'ai dit, il y a tellement d'histoires. Et je pense que c'est le dimanche qui est un bon jour pour les témoignages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un bon spot là où je vais annoncer ici, je vais poster. Et je pense le dimanche à 20h30 heure de Paris. C'est le bon jour pour les témoignages. On va prendre parfois deux ou trois témoignages.
chaque dimanche. Et le reste de la semaine, on va publier les histoires. On va publier les histoires. Ça, c'est un cas social. C'est un cas social. Quand les gens ne sont pas en bonne santé, vous ne pouvez pas leur parler de la politique, dis donc. Quand les gens sont en bonne, ne sont pas en bonne santé mentale, vous ne comprenez, vous ne savez pas le nombre de personnes qui souffrent ici en diaspora à cause de leur famille en Afrique. On n'a rien contre les familles en Afrique. On ne dit que la vérité. Et je sais qu'il n'y a personne de plus détesté que celui qui dit la vérité. Sauf que moi, je suis dans un combat de vérité. On fait des constats. Je vous ai parlé de la mère ghanéenne là qui est morte d'AVC dans le bus. Et elle n'est pas seule. Ici à Londres, ceux qui vivent à Londres ici là, ils peuvent vous dire, c'est tout le temps comme ça. Parce que les anglophones là, les gens de l'Afrique de l'Ouest anglophone là, ils, pas seulement l'Afrique anglophone en fait, en général. Les gens là travaillent ici comme des mammouths. Ils travaillent jusqu'à... Tu vois quelqu'un faire 48 heures de travail non-stop. Parce qu'il faut satisfaire les besoins de la famille en Afrique. Eux-mêmes n'ont pas de vie. Ils ne peuvent pas se faire plaisir. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils font ici, c'est travailler, n'a travailler, n'a travailler, n'a travailler, n'a travailler. Et quand tu les entends au téléphone, que ce soit en route, que ce soit ailleurs, c'est toujours, non, 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 yes, money, I send you money. Ah, non, 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 where is the money? Oh, oh, toujours en train de parler d'argent. I don't have money, I need to have work. I don't, toujours en train de parler d'argent à tout moment, à toute heure. L'argent, money, 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 l'argent, l'argent. Envoie l'argent, je n'envoie pas l'argent parce que je n'ai pas. Attends, je m'avais travaillé, je vais envoyer l'argent demain matin. Demain matin, c'est trop tard. Il est minuit, tu veux que quelqu'un t'envoie l'argent à minuit, comment? Et c'est comme ça que les gens là, ils connaissent toutes les applications d'envoi d'argent et c'est installé dans leur téléphone maintenant, Emma, ça. Les gars te disent que si tu ne résous pas mon problème, je suis mort. Et là, on te fait le chantage émotionnel. Genre, si quelque chose lui arrive, tu vas t'en vouloir. Parce que bon, tu avais un 100 euros que tu pouvais envoyer et tu n'as pas envoyé. Et il y a encore quelque chose de marrant, comme je disais tantôt. Les gens là, ils simplifient l'argent. Hein, parce que leurs problèmes maintenant là, les problèmes sont de plus en plus grands. C'est-à-dire, ils ont maintenant des problèmes. J'ai un problème là, il me faut 400 000. Toi-même, tu as combien? Je n'ai pas l'argent, je travaille. Le pays ici est dû jusqu'à. Il te faut 400 000. Et le pays est dû et toi, tu peux chercher les problèmes de 400 000. D'autres viennent parler des problèmes de 1 million. Et il y a une là qui dit qu'elle a envoyé 1 million à sa mère un jour au Cameroun. Elle envoie 1 million à sa mère pour résoudre un problème que sa mère a eu à la Réunion. Sa mère lui dit que oh, j'ai perdu l'argent des gens de la Réunion. Oh, 1 million, oh, j'ai perdu l'argent des gens à la Réunion. Oh, 1 million, oh, 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 oh. Elle dit que ouais, on va faire comment? Sa mère dit que oh, on m'a porté plainte. Oh, oh, on va venir m'arrêter. Oh, 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 oh. La fille envoie 1 million. La mère maintenant va prendre les 1 million. Elle dit que si elle n'a pas l'argent de taxi, elle ne part pas. Donc, il faut que sa fille envoie encore l'argent de taxi au-dessus des 1 million pour qu'elle aille prendre, retirer les 1 million pour aller résoudre son propre problème. Elle dit que tu envoies 1 million comme ça, tu n'envoies même rien au-dessus pour l'argent de taxi. Tu n'envoies rien au-dessus que je vais me déplacer comment? Hein? Tu as un problème de 1 million. Ta fille t'envoie 1 million. Tu dis encore que tu ne vas pas récupérer les 1 million parce que ta fille n'a pas mis quelque chose au-dessus. Et, oh, Africain, qui es-tu? You be who? You be who? Voici Protus Kwam. Ça, c'est un gars que j'aime bien. Voilà Protus. Il peut te dire, ils sont là-bas au pays. Là, les gars ont les applications dans les téléphones d'envoi d'argent grave pour recevoir l'argent. Et eux, ils n'envoient jamais. Bonsoir, Protus. Eux, ils n'envoient jamais. Ils reçoivent seulement. Ils ont tout genre d'applications pour recevoir l'argent. Mais les gens en meurent. Les gens en meurent. J'ai suivi une histoire là sur la toile tout à l'heure. Une petite sœur là, Aïcha Kamoise. Elle a envoyé l'argent au pays. La personne à qui elle a envoyé l'argent pour aller retirer et mettre dans son compte bancaire, lui invente une histoire comme quoi on l'a pris dans un schéma de prière et la personne a donné l'argent. Ou c'était 9 millions, ou c'était combien. Et les gens là sont partis avec.
Donc, on t'envoie l'argent que va, retire l'argent là, va mettre dans mon compte bancaire. Tu peux prendre l'argent, c'est 9 millions, je ne sais plus c'était quoi le montant. Tu montes sur la moto. Tu montes sur la moto. Donc, en fait, c'est l'histoire que la personne a racontée. Hein. La personne dit qu'elle est montée sur la moto avec l'argent et puis on l'a bâché. Tu as 9 millions et poussière, tu montes sur la moto, on te bâche. Après, on a commencé à lui dire que c'est l'argent de la sorcellerie, qu'il faut laver l'argent là. Et du coup, elle a donné, la personne a donné l'argent. Je ne sais pas si c'est un homme ou une fille. Donc, c'est pour ça que j'ai dit un garçon, la personne, autant pour moi. Donc, elle a donné l'argent pour qu'on lave. David, donc c'était 15 000 euros. Ok, donc c'était 10 millions quoi. Tu donnes l'argent, on lave que l'argent. Et tu pars retirer l'argent de quelqu'un. Tu n'appelles même pas la personne. Tu ne respectes pas les consignes de la personne. Rien. C'est après, quelques jours plus tard, que la personne insiste que mais mon frère, mon argent, c'est comment? Tu allais mettre l'argent dans le compte. Tu dis, bon, comme tu vois là, j'ai donné ton argent pour qu'on lave ça parce qu'on m'a dit que c'était l'argent de la sorcellerie. C'est le schéma, Paul Claude. Ce n'est pas que prends pas le taxi, course, quoi. La personne a choisi l'argent là. Tu connais quelqu'un qui peut monter sur la moto avec 9 millions sur lui? Qui, au Cameroun, là où, même pour un pain, quelqu'un est capable de couper ta main? C'est le schéma. La personne a schématisé les bâtons là, bien parti avec, et raconter une histoire. Tu vas faire quoi? C'est la famille. Et le mal dans ça, c'est que si tu veux agir, c'est la famille qui va s'asseoir pour te dire que c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas l'envoyer en prison, tu ne peux pas faire ça, il faut laisser. Vous êtes là-bas en Europe, vous avez l'argent, alors 9 millions pour toi, c'est quoi? 10 millions pour toi, c'est quoi? Aka, laisse, c'est ton frère. Et c'est comme ça que c'est fini. Et c'est ça le mal. Parce que quand tu vas regarder au fond, c'est même la famille qui s'assoit pour te schématiser. Oui! Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'une personne, une connaissance est décédée, alors que la connaissance est encore vivante? La connaissance elle-même aussi est dans le coup. Donc, vous vous asseyez au pays et vous décidez de quelqu'un qu'on va annoncer sa mort. Que bon, pour escroquer Max Senior, n'est-ce pas? On va annoncer la mort, on va annoncer ta mort, ok? Comme ça, on va faire les funérailles, on va même lui envoyer les photos des cercueils qu'on a choisi, la mise en bière, tout. Mais le point, c'est que le cercueil est fermé, on ne voit jamais le corps. Donc, ils vont partir dans un deuil, filmer le deuil, comment les gens pleurent, filmer, t'envoyer. Que voilà, le mort est mort. Le mort est mort. Et c'est toi qui fais tout le deuil. On te dit que le deuil va coûter 5 millions. Que ma part de contribution dans le deuil, c'est 5 millions. Tu sais que c'était ma personne personnelle. Ouais, ma personne personnelle est décédée au max. Pardon, il faut que je fasse le deuil. Ça doit être un grand deuil. Il va avoir 2000 personnes. On doit faire ci, on doit faire ça. On te fait jusqu'on te fait le programme des obsèques. On t'envoie le programme des obsèques. Bon, voici le programme des obsèques. Vous voyez, voici le programme des obsèques. Non. Et ils font souvent ça beaucoup aux gens qui savent que ces gens-là ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'ils n'ont pas encore soit les papiers, soit... Vous voyez un peu, non? Parfois, quand ils savent que tu peux t'aider, ils te disent non, ne te déplace pas. C'est rien, ça. C'est rien. Laisse-moi faire le deuil à ton nom. Bon, toi aussi, tu vas voir le temps que tu vas partir au pays. Il faut que tu travailles, il faut que tu payes les factures ici. Il faut que... Donc, si on peut faire le deuil, bon, ce n'était pas une personne très proche. Donc, du coup, si on peut faire le deuil à ton nom, au nom de la famille, oh, c'est bon, pap, tu envoies l'argent. Ah, t'es découragé, tu ne viens pas, tu envoies l'argent. Le gars arrive au pays, lui, carrément, il tombe sur la personne qui était décédée. Jusqu'on lui a envoyé les photos du cercueil, les photos de l'enterrement, les vidéos, le programme des obsèques. Oh, non, mais vous êtes faux. Mais vous êtes faux quand même là-bas. Mais j'ai dit, les gars, l'audience là ne monte même pas depuis là. Hein. Partagez. Et c'est marrant, pourquoi? Parce que on prend toujours les gens dans le même schéma tous les jours. Et la faute aussi à vous. Parce que quand vous arrivez en Europe, au lieu de vous concentrer sur vos vies,
Vous voulez absolument montrer aux gens de l'Afrique que vous êtes arrivés. Et ça vous cale au cou. Oui, ça vous cale au cou. Moi, je donne toujours le même conseil à toutes les personnes qui m'approchent. Quand tu arrives en Europe, tu dois avoir un temps de concentration. Tu dois avoir un temps de concentration. Et les gens ont souvent mis dans vos têtes, peut-être par rapport à la régularisation, on fera un live pour parler de ça. Se régulariser en Europe n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Il faut juste savoir choisir son couloir et persévérer dans ce couloir, c'est tout. Quand tu arrives en Europe, oublie un peu les gens de l'Afrique là. Concentre-toi sur tes objectifs. Fixe-toi un cap à atteindre, étape par étape. Quand tu finis par créer ta routine en Europe, c'est là où tu commences maintenant à vivre ton bien. Et quand tu as fini de créer ta routine, pense à l'avenir. Pense à ta famille, à l'avenir de ta famille. Ta famille que tu vas créer, pas la famille qui reste en Afrique. Donc quand tu fais tes plans, ce n'est pas que tu vas faire des plans pour tes frères et sœurs, machin. Eux-mêmes, ils vont se marier, ils consortent, patati patata. On ne va pas entrer en profondeur avec les gens qui se marient en comptant sur leurs frères qui sont en Europe parce que leurs frères qui sont en Europe vont prendre soin de leurs femmes, de leurs enfants et tout ça. Pense à ta vie, ton avenir, à comment est-ce que tu dois faire. Les seuls moments où tu réagis promptement, c'est quand il y a un cas de maladie très grave dans la famille. Là, ta famille, t'as dit ta famille, le père, la mère, les frères, oui. Il y a un cas de maladie extrêmement grave. Là, tu mets ta main à la pâte aussi pour aider comme tu peux. C'est très important. Sinon, vous allez vous retrouver à tourner. Perdre 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans de vos vies. Rien que parce que vous portez des charges, vous mettez sur votre dos. Vous voulez juste vous faire voir. Et c'est vous qui faites en sorte que ces gens qui sont en Afrique là-bas, vous prennent comme des vaches à lait. Comment toi-même tu peux accepter de sortir, travailler dur pour envoyer 200 000 francs à un imbécile au pays ou bien une écervelée au pays pour fêter l'anniversaire? Quand toi, tu étais au pays là-bas, tu trouvais les 200 000 francs là. Tu vas dire, non, moi je me bats, je me sacrifie pour ma famille. C'est toujours bien, vous êtes des sentimentaux. Oh là là, c'est bien, tu aimes trop ta famille. Tu aimes trop ta famille, sacrifie ta propre vie pour ta famille. C'est quand tu arrives à un certain niveau que tu comprends le ndème dans lequel tu t'es lancé. Personne ne vous interdit d'aider vos familles, mais aidez-vous d'abord. Positionnez-vous d'abord. Soyez déjà sur un chemin bon, sur une bonne routine. À ce moment-là, vous pouvez choisir de faire quelque chose pour sortir quelqu'un du lot. Et la personne va aussi sortir une autre personne du lot, ainsi de suite. Vous entrez en Europe, vous portez les problèmes de toutes les familles, oncles, tantes, sœurs, frères, enfants, vous mettez sur vos dos, sur votre dos, vous portez tout ça. Parce que vous dites, je suis en Europe, quand je travaille, je touche 2000 euros. Tu commences à calculer 2000 euros en CFA. C'est de la stupidité. C'est de la stupidité. Tu ne peux pas être là en France et tu calcules l'argent en CFA. Laisse ceux qui sont au Cameroun calculer le CFA. Toi, calcule ici, là, la monnaie locale. Comment est-ce que tu vas payer les factures? Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas te mettre à l'aise? Parce que beaucoup d'entre vous, vous aurez des maladies de vieillesse. Parce que vous n'arrivez même pas à vous mettre au chaud en hiver. Parce qu'il faut envoyer l'argent en Afrique. Vous n'arrivez même pas à vous mettre au chaud. Achetez un bon blouson. Achetez des bonnes bottes pour le froid, acheter des bons habits pour le froid. Vous ne pouvez même pas chauffer votre maison parce qu'à tout moment, vous êtes en train d'économiser, pour faire quoi? Pour envoyer l'argent en Afrique, pour vous faire voir. Oh, il y a eu une cotisation. Oh, il y a tel qui est là en France qui a envoyé 500 000. Oh, maman l'argent. Les autres disent que oh, elle a l'argent. En tout cas, elle va commencer à résoudre nos problèmes. Et c'est lancé. Quand tu arrives en Europe, et que ton téléphone sonne, il faut avoir ce réflexe. Je n'ai pas, c'est dur, parce que même les factures ici, je n'ai même pas encore payé.
Voilà le premier réflexe que tu... Même si tu as l'argent, même si tu as l'argent, même si tu as l'argent, même si au Gwe Money, le premier réflexe quand tu prends le téléphone, on te raconte... Et ils ont toujours les histoires. Hein. Ils ont toujours de ces cancans histoires qui te mettent sur la table. Ton premier réflexe, quelle que soit l'histoire qu'on te raconte au téléphone, « I don't get money, mba. » Je n'ai pas l'argent, hein, vraiment. Je suis là comme ça, le bailleur veut me mettre dehors. Je vais dormir dehors cette nuit-ci. Je n'ai pas l'argent. C'est compliqué pour moi. Je n'ai même pas encore de travail. Samuel, il ne gronde pas. Tu dis que tu n'as même pas encore de travail. Tu suivis. Déjà, même qu'ils ne comprennent pas ça. Parce que je vous ai parlé de quelqu'un qui arrive en Italie. Il bosse pas la mer. C'est-à-dire, il risque sa vie, il arrive en Italie. Une semaine après, on lui pose et il y a les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, les problèmes d'anniversaire, les problèmes de baptême, les problèmes de que on n'a pas mangé à la maison. Hein. Vraiment, on n'a pas préparé à la maison. Hein. Est-ce que tu ne peux pas nous envoyer quelque chose? Vraiment, c'est fort sur nous. Vraiment, ça ne va pas. Vraiment, 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 vraiment. Chaque temps, besoin d'argent. Chaque temps, besoin d'argent. Ben oui, The Lion, il monte des histoires pour aller s'asseoir au bar et boire. Boire les bières, boire. Je vous avais montré une vidéo ici d'un individu qui a son frère en Europe. Le salopard dort sur le canapé déchiré dans la maison des parents. Mais il faut le voir en boîte de nuit. Le gars, il se déshabille, il met le whisky sur la table. Il boit le vin avec les petites filles. Il se déshabille, retire le t-shirt, il partage l'argent. Quand il finit de dépenser l'argent, il part. Sa chambre dans leur maison familiale, c'est le canapé déchiré. Tu vois les anciens canapés là, c'est sur ça, il dort. Mais il invente des histoires. Son frère lui envoie l'argent. Il s'en va faire la Java avec. Si vous n'arrêtez pas ça, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce piège, et même ceux qui sont déjà dans ce piège-là, si vous n'arrêtez pas cette attitude, oh merci beaucoup pour le chapeau de Western, si vous n'arrêtez pas cette attitude-là, vous-même, demain vous serez dans le NDEM. Voilà quelqu'un qui a 28 ans en Europe, le voilà maintenant, il finit dans l'asile psychiatrique, mon frère. 28 ans en Europe, il finit dans l'asile psychiatrique à cause de la famille en Europe. À cause de la famille en Afrique, autant pour moi. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. On va vous passer les témoignages, non? On va vous passer les témoignages. Ah, Josiane, apparemment, c'est un cadeau. Hein? Donc, c'est un cadeau que quelqu'un m'a donné, un chapeau virtuel, quoi. Merci beaucoup encore à la personne. Je vais vous passer les témoignages. J'en ai des témoignages ici. Sok, sok, bomaye, bomaye. Voici une jeune fille aussi. Elle était hôtesse de l'air. Je crois, oui, elle était hôtesse de l'air. Je ne sais pas si elle est toujours hôtesse de l'air. Mais elle a eu tellement de problèmes en France à cause de la famille. Il y a des problèmes basiques où les gens envoient l'argent pour les chantiers. Et ils arrivent là-bas, il n'y a pas le chantier, il n'y a rien, rien. Ça, c'est même les problèmes basiques. Les gars sont passés à un autre level. Je vous dis que les gars inventent maintenant les deuils. Ils inventent. Mais vous-même, dites-moi, si on vous parle du deuil de quelqu'un, et puis vous arrivez au pays, vous voyez la personne, alors que vous avez fait le deuil à hauteur de millions, vous-même, vous allez vous sentir comment? Vous n'allez pas devenir fou. Vous vous rendez compte que votre famille a inventé une histoire de deuil. On vous a envoyé les programmes des obsèques, tout. Vous arrivez au pays, vous tombez sur la personne. Mais vous-même là qui êtes en Afrique là-haut, quand vous inventez certaines histoires jusqu'à inventer le deuil de quelqu'un qui est vivant, Nahao, vous ne savez pas que quand la personne va venir, il peut tomber sur la personne. Ou bien alors, c'est que même quand on organise le deuil comme ça, là, on veut que la personne meure pour que le schéma ne finisse pas. Ou bien que le schéma ne soit pas découvert. Ah ah! Mais comme je disais tantôt, moi, je dis ma pensée. Et comme d'habitude, c'est chacun qui est libre de recevoir, de comprendre ou de refuser de recevoir et refuser de comprendre. Chacun est libre. Tu peux décider que tu es venu en Europe là pour vagabonder, travailler tout ton argent et envoyer en Afrique. Libre à toi. Libre à toi. C'est ton problème.
Tu peux mais moi, je parle seulement pour conscientiser ceux qui veulent être conscientisés. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un piège. Vous avez écouté l'audio de la dame si que j'ai passé, cette dame sénégalaise. C'est-à-dire, elle sent comme si elle est envoûtée par sa propre mère. Envoûtée par sa propre mère. Parce qu'elle ne comprend pas la sorcellerie là. 5 francs ne restent pas dans sa main. Elle touche un salaire, c'est-à-dire un salaire quand même normal. Mais elle n'arrive pas à payer ses factures, payer sa maison. Parce qu'elle se rend compte qu'à la fin du mois, elle a mis toutes ses cartes au rouge à cause des envois de l'argent. Donc, quand son salaire arrive à la fin du mois, les cartes de crédit coupent jusqu'à elle est encore au rouge. Donc, elle passe sa vie à s'endetter pour résoudre les problèmes des gens en Afrique qui n'en finissent jamais. Leurs problèmes ne finissent jamais. Envoie même 100 millions. Les problèmes-là ne vont jamais finir. Au contraire, c'est comme si plus tu envoies, plus il y a des problèmes à t'exposer. D'où vient cette mentalité? Bonne question. Cette mentalité vient du fait qu'il y a des gens qui sont arrivés en Europe à un certain moment et qui ont voulu faire croire aux gens de l'Afrique qu'ils pouvaient porter tous leurs problèmes juste pour se vanter. Et donc, je vous explique ce qui s'est passé. Parmi les gens qui arrivent en Europe, il y en a qui entrent dans des choses compliquées, c'est-à-dire la vente d'une de la drogue, les braquages, le vol, le tcha-tcha, c'est-à-dire ils font du sale. Il y en a même qui killent même les gens pour avoir l'argent. Ils font du sale et ils ont l'argent rapidement, vous voyez un peu, et les gros montants. Et du coup, il faudra envoyer ça en Afrique. Donc, ils ont quand même quelques moyens pour venir en aide à quelques membres de la famille de temps en temps, ou bien se faire voir, acheter des très grosses voitures en Afrique là-bas. Et vous voyez un peu faire la Java, être des grands présidents, les Féman là, vous voyez un peu. Ce sont eux qui ont fait croire aux gens qui sont en Afrique que l'argent est facile en Europe. Donc maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui vient travailler dur, il croit qu'il peut résoudre les mêmes problèmes qu'un Féman résout en Afrique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je m'adresse ici à ceux qui travaillent dur. Tu ne peux pas. Donc, voilà là où le problème. C'est de là que le problème part. Donc, les gens sont arrivés en Europe. Ils ont dit, moi, je viens ici, je vais faire du sale. Je gagne l'argent que je gagne, même si après je pars en prison. Dès que je sors de la prison, allez, je pars au pays et tout ça. Donc, du coup, les gars sont arrivés, ils ont fait du sale. Et ils ont eu un peu d'argent. Tout. Ensuite, les gars arrivent au pays, ils vous montrent que c'est facile en Europe. Sauf que dans l'Europe, il n'y a pas que les voleurs, les bandits, il y en a qui travaillent dur. Et ceux qui travaillent dur sont au moins 98%. Les bandits, les voleurs, les fémans, ceux qui font du sale là sont autour de 3%, 2%. Ceux qui travaillent sont beaucoup plus nombreux, au moins à 98%. Et donc, ceux qui travaillent dur pour attendre un salaire à la fin du mois ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que les gars sont tombés dans ce piège-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et moi, je vous donne donc ce conseil. Prenez ce conseil, appliquez-le si vous le voulez. Ne l'appliquez pas, c'est votre vie, ça vous engage. Nous sommes sur les réseaux sociaux, je donne le conseil que je peux. Premier conseil, et ça, beaucoup vont me détester en Afrique pour ça, mais je n'en ai rien à foutre parce que je ne mange pas chez les gens, je vis bien, j'ai une grande maison, je suis tranquille. Je suis tranquille. Premier conseil, répétez après moi en commentaire. Répétez après moi en commentaire. Je ne suis pas obligé d'aider les gens. Ça, c'est d'abord la première des choses que tu dois mettre dans ta tête. C'est-à-dire le chantage émotionnel qu'on fait, les trucs. Non. Tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, répète après moi. Je ne suis pas obligé d'aider les gens. Je ne suis pas obligé d'aider les gens. Ça, c'est la première chose que quand tu mets dans ta tête, tu vas t'en sortir. Moi, je te dis, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas obligé. Les seules personnes envers qui vous avez des obligations, c'est vos enfants.
Parce que quand tu mets tes enfants au monde, tu as l'obligation de t'occuper d'eux. C'est une obligation. À part tes enfants, tu n'es obligé d'aider personne, même pas tes parents. Parce que ce n'est pas l'inverse des choses. Tes parents t'ont mis au monde pour s'occuper de toi et te donner un avenir. Tu n'as pas demandé à naître. Non, 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 non. Voilà là où vous vous trompez souvent et les parents utilisent ça contre vous. De l'ange, je ne vois que... Tu viens en aide aux parents quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, ils ont vécu leur vie. Ici, je suis en train de parler des personnes qui se battent, des débrouillards. Tu viens en aide aux parents quand c'est nécessaire. Ça veut dire que tu peux te fixer un objectif, par exemple. Tu te dis, bon, mes parents m'ont donné la vie. Ils m'ont envoyé en Europe pour que je me batte. C'est une obligation pour eux. Donc, il ne faut pas qu'ils te disent qu'on t'a envoyé en Europe là-bas, c'est pour que tu nous viennes en aide. Non, 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 non. Ils t'envoient en Europe pour préparer d'abord ton avenir. Pour sortir de ce chantage émotionnel-là, ça ne doit plus marcher. Maintenant, quand tu te fixes un cap, tu atteins tes objectifs, tu regardes maintenant, tu dis, ok, mes parents vivent dans le calabot, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez un peu? Selon tes moyens, je dis selon tes moyens, ce n'est pas une obligation. C'est que tu décides que bon, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents qui sont encore dans le calabot? Ok, il faut que je les sorte du calabot là, que j'achète un petit terrain, que je fasse une petite maison pour leur rendre hommage. Et la plupart du temps, ces maisons-là, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dépenser des sommes exorbitantes. Non. Vous faites une modeste mosade pour sortir vos parents, n'est-ce pas, des calabots, selon vos moyens. Quand vous avez déjà votre routine en Europe, le genre que vous savez que vous pouvez faire des plans sur 5 ans, sur ceci, sur machin, voilà. Et ce n'est pas une obligation parce que les vrais parents ne vont jamais t'obliger de faire quelque chose pour eux. Un vrai parent ayant vécu sa vie, quand tu vas vouloir faire quelque chose pour lui, il va te poser la question de savoir, est-ce que tu as déjà fait pour toi-même? Et des parents comme ça, il en existe encore. Un vrai parent qui se soucie de toi, quand tu veux lui construire une maison, la première question que le parent là va te poser, c'est, est-ce que tu as déjà construit ta propre maison? Ça, c'est des parents. Et vous comprenez par là qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé. J'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit pour vos parents. Vous le faites de bon gré. Mais pas parce que vous êtes obligé. Des parents conscients savent qu'ils doivent privilégier, prioriser la vie de leur progéniture. D'abord. C'est-à-dire que le parent est dans le calabot, il a son mode de vie. Tu vas voir, il y a une matin, elle vend la cola, elle vend le calabar, elle se débrouille. Sa fille vient lui dire que, maman, là où tu me vois là, j'ai décidé, je suis en Europe, j'ai décidé que je vais te construire la maison. La mère lui dit que, bah, avant de construire ma maison, construis d'abord ta part. Parce que moi, j'ai déjà vécu ma vie. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je mange, je dors. J'ai vécu ma vie, oh, ma fille, construis d'abord ta maison. Ça, c'est les parents. Ça, c'est la réaction d'un parent qui aime son enfant. Je vous le dis parce que mon papa, mon feu papa était comme ça. Avant que mon peuple, c'est-à-dire pour donner quelque chose à mon père, c'est à la limite s'il avait même honte. C'est-à-dire que le gars, il te dit que quand tu me donnes là, toi-même d'abord, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Il te pousse, il te dit, achète ton terrain, construis ta maison, ne regarde pas les à côté. Fais comme ça, il te donne des conseils de vie. Il essaye de te guider là où lui n'a pas réussi. Il ne veut pas que tu tombes dans les mêmes pièges que lui. Il te dit que bon, comme tu vois, comme tu as déjà un bon salaire, n'est-ce pas? La priorité maintenant, c'est que
Il faut absolument que tu te trouves un terrain quelque part. Il faut absolument que tu te construises une maison. Mais ne construis pas une maison où tu vas habiter parce que tu n'es pas ici régulièrement. Construis plutôt, c'est-à-dire un camp où tu vas mettre en location. Ça va te donner de l'argent. Et puis demain, tu pourras prendre cet argent, construire une autre maison là où tu pourras habiter. C'est pas un problème. Le parent t'explique la vie par rapport à son vécu. Les erreurs, n'est-ce pas, qu'il a commis, il te dit... Non, moi, j'avais fait l'erreur quand j'avais eu l'argent de construire directement la maison d'habitation. Or, si j'avais construit en prévoyant des petites maisons comme ça, ou des petites chambres à louer, les trucs comme ça, là, le parent, lui, il va d'abord t'orienter pour ton bien-être. Ça, c'est le parent. C'est son rôle. Le parent, ce n'est pas celui qui va s'asseoir, il va inventer le parent. C'est son rôle. Le parent, ce n'est pas celui qui va s'asseoir, il va inventer, machin. Ça, ce n'est pas des parents. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de sortir de l'argent pour ce parent, à part s'il est couché sur un lit d'hôpital et qu'on a besoin d'argent pour le sauver. Tu n'es pas obligé. Parce que le bon parent, jusqu'à son dernier souffle, pense d'abord à ton bonheur avant le sien. J'ai un ami qui, son père s'est battu à Yaoundé. Lui, il est venu en Europe par la route aussi, mais il y a de cela longtemps. C'est dans les années 2000. Vous savez ce qui s'est passé? Son père, lui, il est retourné, il est parti au village. Il est parti s'installer au village. Vous voyez un peu? Il a mis leur petite maison qu'ils avaient à Douala en location. Il est parti s'installer au village avec sa femme et ses autres petits frères. À chaque fois que son fils voulait faire quelque chose pour lui, il lui disait non. Il y a une plantation ici que quelqu'un vend au village. Achète ça. Il y a un terrain ici, là, au village, là, ici, que quelqu'un vend. C'est grand et c'est moins cher. Achète ça. Il dit, ah bon? Il dit, oui, achète ça. Si tu achètes le terrain là, nous on va mettre les arachides sur ça, on va mettre les pommes de terre, on va mettre ceci. Et le jour de marché, quand on va faire les récoltes, on va vendre une partie, on va manger, on va se nourrir avec l'autre partie. Il dit, ah bon papa, il dit que oui. C'est comme ça qu'à chaque fois quand il y avait un truc au village, le gars achetait. Excusez-moi, il achetait. Ensuite son père a dit, ok, comme tu as déjà un bon terrain agricole ici là, investis dans la culture des pommes et du haricot. C'est des mets qui sont beaucoup consommés ici dans le secteur. Ça peut te donner un peu d'argent de temps en temps. Un argent qui pourra nous permettre à nous, non seulement d'investir, mais aussi de nous nourrir et tout. Il dit, ah bon, il dit oui. Le gars investit. C'était presque rien au village là. Il investit un peu. Et c'est comme ça que petit à petit, il a eu un grand patrimoine dans son village. Et après maintenant, et je vous dis quelque chose de réel, hein, c'est-à-dire les parents sont au village, mais ils ne veulent pas que l'enfant envoie, que l'enfant donne ci, que l'enfant donne ça pour manger, que l'enfant donne... Non. C'est comme ça que la vie du gars est partie, échelon par échelon. Et aujourd'hui, il est loin. Et aujourd'hui, ses frères, ses sœurs profitent parce qu'il a trouvé le temps d'économiser, de faire venir un à un, de faire voyager un à un, envoyer au Canada, envoyer partout à gauche, à droite. Et c'est comme ça là que sa vie était tracée parce qu'il était orienté par ses parents. Les parents qui sont toujours là en train de demander l'argent tous les jours sans rien te proposer de bon. Des parents qui réfléchissent seulement sur comment t'escroquer. Ça, ce n'est pas des parents. Ils t'ont mis au monde, oui, mais un vrai parent pense à l'avenir de son enfant. Toi qui me regardes là, si demain tu as 10 euros et il faut choisir entre que tu manges ou que ton enfant mange, parce que vous pouvez acheter seulement un truc avec 10 euros et il faut choisir entre que ton enfant mange ou que tu manges, tu vas donner la priorité à qui? Répondez en commentaire. Qui va manger en priorité? Voilà.
Répondez, Christ dit mon enfant. Paul Claude dit l'enfant. De l'ange dit l'enfant. David dit l'enfant. Maman Dim dit l'enfant. Diane, mon enfant. Élie, mon enfant. L'enfant. C'est ça la réalité. Jackson, voilà. Vous voyez que vous êtes tous d'accord. Vous êtes tous d'accord que c'est l'enfant qui va d'abord manger en priorité. C'est donc ça le rôle du parent. Et ce rôle-là, c'est jusqu'à ta tombe. Ce rôle-là, c'est jusqu'à ta tombe. Ne positionne jamais ton enfant en disant que bon, je vais mettre mon enfant là-bas pour qu'il travaille pour me nourrir. Non. Ne mets jamais cette pression à ton enfant. Laisse-le, guide-le. Quand tu vas le guider, qu'il sera bien, toi aussi tu seras bien. Mais si tu commences à ronger l'enfant, ronger l'enfant, ronger l'enfant, l'enfant va finir par se lasser. C'est ça la réalité. Et beaucoup de parents africains ne comprennent pas ça. Heureusement qu'il y en a encore qui ont compris ça. Voilà pourquoi je vous dis, le tout premier conseil d'aujourd'hui, c'est que mettez dans vos têtes, vous qui êtes en Europe pour vous battre, vous n'êtes pas obligé d'aider les gens. Vous n'êtes pas obligé d'aider les gens. Vous n'êtes pas obligé. Dès que vous avez mis ça dans votre tête là, c'est bon. Parce que les gens en Afrique là exagèrent. Mais vous allez écouter les histoires, non? Je vous invite à vous abonner. À vous abonner. Soyez chaud parce que c'est maintenant que ça commence. Vous allez écouter les histoires. Vous n'en reviendrez pas de ce que les gens vivent au quotidien, des gens qui sont en Europe. Ils vivent la sorcellerie en plein jour. Ta vie, c'est ta vie. Et comme tu vis, c'est que tu prépares l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas que tu vas préparer l'avenir des gens qui n'ont plus d'avenir, non. Tes frères et tes sœurs qui ne sont pas malades, ils ont leurs mains et leurs pieds. Tu n'as aucune obligation envers eux. Il dit bien aucune obligation, si ce n'est de l'amour simple entre frères et sœurs. À part ça, tu n'as aucune obligation. Vis ta vie. Les filles, mariez-vous. Les garçons, battez-vous. C'est tout. Vous ne devenez pas les charges de vos frères et de vos sœurs. Non, ne devenez jamais les charges de vos frères et de vos sœurs. Et vous n'acceptez jamais de prendre en charge vos frères et vos sœurs. Parce qu'il y a des familles où tu vois quelqu'un est en Europe, son frère est au pays, ou sa sœur est au pays, ils doivent se marier, on doit payer l'école de leurs enfants, on doit envoyer l'argent de la ration. Parfois même tu construis ta maison, ton frère vient s'installer dedans, il ne sort plus. Ils changent les papiers, ils font les trucs, ils deviennent ta charge et toi tu as accepté ça. Moi, je ne leur en veux pas parce que ceux qui le font, c'est parce que vous avez accepté. Vous vous êtes mis dans le rôle du sacrifié, expressément. Parce que vous voulez montrer à X, à Y que vous avez beaucoup d'argent alors que vous n'avez rien. Vous vous êtes mis dans la peau du sacrifié vous-même. C'est comme ça. Regardez dans la famille, la personne qui est toujours modeste, modeste, qui se cache là. On ne lui pose jamais des problèmes. Hein. Même s'il a l'argent, il cache. Il est toujours là comme ça, là, et Mougou. On ne lui pose jamais. Mais c'est la personne qui vient toujours là avec les mains dans la poche. Il a le cigare ou bien là, même s'il n'a rien. À chaque fois, on va lui donner. Même, c'est-à-dire que c'est psychologique. Tu as un oncle qui est toujours bien habillé, sapé, tout, tout, tout. Il vient toujours là, bien parfumé. Même si tu sais que ton oncle là n'a pas l'argent. Tu vas le regarder comme ça, tu vas toujours lui exposer les problèmes d'argent. Entre-temps, il y a un autre oncle là. Qui est toujours là, Mougou, toujours là, caché, caché. Alors que vous tous, vous savez que l'oncle là, qui est toujours Mougou, caché, caché là, le gars, quand même, il a quand même un peu les dos. Mais personne ne part jamais vers lui. Lui demander, parce que lui, il refuse de se faire voir. Ah, y a, les gens veulent déjà bloquer mon live. On dit que mon live prendra fin pendant quoi? C'est quoi le problème, non, TikTok? Aïe. Ah, les gars voulaient couper mon live, mon frère. Jusqu'à les gars m'envoient le puzzle qu'il faut d'abord que je vérifie. On vérifie si je ne suis pas un robot.
Mais pourquoi vous signalez, non, les gars? Ne signalez pas. S'il vous plaît, tapotez l'écran. On le supprime mon live. J'espère que vous avez enregistré. Enregistrez le live là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Bangaman, de demander aux gens de tapoter. Merci à toi. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vous dis, c'est toujours la personne qui se fait voir, qui est victime des problèmes des autres. Alors on vient toujours te voir que, ouais, vraiment, le grand, j'ai besoin d'argent. C'est ça. Vous êtes en Europe, oui, c'est bien. Déjà que quand vous arrivez en Europe, ce n'est pas un sésame. C'est juste que vous êtes dans un autre endroit où vous avez plus de possibilités de travailler pour avoir, pour gagner un peu mieux. Vous avez une vie décente. C'est tout. Et l'Europe, là, ne garantit rien. Ça te donne plus de chances, mais ça ne te garantit rien. Donc, quand tu arrives en Europe, la première des choses, concentre-toi. Fixe-toi des objectifs. Atteins une routine. Ensuite, pense à ton avenir, à tes enfants. On vit pour léguer un héritage et non le contraire. On vit pour léguer un héritage et non le contraire. J'ai un oncle là dans ma famille, là, il est chiche. Lui n'a jamais voyagé. C'est un banquier. Il est chiche comme ça. Mais quand tu regardes entre lui et tous les autres oncles qui aimaient trop montrer, qui donnent l'argent tout le temps, à chaque fois ils veulent montrer, quand ils arrivent à la réunion, il y a un problème, ils sortent l'enveloppe, ils sortent. Tous les autres oncles là maintenant sont presque des vauriens. Parce que c'est quand tu arrives à un certain âge dans la vie que tu te rends compte de cette bêtise, mais il est trop tard. Tu as passé ta vie à aider ceux qui, c'est-à-dire des gens qui pouvaient se battre. À un moment donné, comme tu as porté tellement de charges, ça a pesé sur toi, ça t'a ramolli. Et maintenant, tu vas passer ton temps à te plaindre dans la famille. Moi, j'ai aidé tel. Mais lui ne pense pas à moi quand j'ai les problèmes. Tu ne t'es pas obligé, man. Il y a certains là que... Il y a certains enfants, souvent dans certaines familles, disent que mon père a aidé ses frères. Mon père a positionné ses frères. Voilà mon père qui est mort aujourd'hui. Personne ne s'occupe de nous. Nous sommes là comme ça. Mais si ton père s'était concentré sur vous, au lieu de passer son temps à positionner ses frères, vous ne serez pas là en train de pleurer. Et c'est récurrent dans nos familles, vrai ou faux? Mettez en commentaire. Vous allez toujours voir, je vous dis... Le père, le frère qui a beaucoup aidé les autres frères là, il a aidé ici, il aidait partout, il était toujours présent, il décède, bam. Ses enfants sont là. À chaque fois, c'est les mêmes pleurs, les pleurs du Mbolé. Mon père était le plus généreux de la famille, mon père avait aidé tel, mon père aidait ceci, c'est mon père qui est parti doter ta femme, c'est mon père qui a envoyé ses frères à l'école, c'est mon père. Dès que c'est fini là, ton père n'est plus là, c'est vous les enfants, vous souffrez. Oh, ton père aurait dû préparer votre avenir promptement. Il n'avait aucune obligation envers ses frères et sœurs. Non. Cet esprit-là, ça doit finir. Regardez, vous qui êtes en Europe, vous voyez comment les gens vivent ici. Vous pensez que les familles africaines, vous vous aimez plus que les familles européennes ici? Non. Vous mentez. Les gars ont une routine et ils respectent. On n'a qu'à se respecter. Si tu as mal géré ta vie, c'est ton problème. Et les seules personnes à qui les gars parfois en veulent, c'est parfois à leurs parents. Ils disent que mais vous n'avez pas fait comme il fallait, mais ils ne se lamentent pas, ils essaient de se battre. C'est ça, la réalité. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation, c'est une volonté. Et qui dit volonté, dit choix. Tu as le choix. Regarde ce qui est bien, sois objectif. On dit toujours que c'est quand tu as déjà positionné, fixé tous tes objectifs, atteint tes objectifs. Maintenant, l'excédent là, tu peux dire que bon, d'accord, dans l'argent de l'amusement que j'avais prévu pour boire 2 bières ou 3 bières, je peux faire ci, je peux faire ça. Oui. Oui. C'est comme ça. M. Ken dit qu'a arrêté l'égoïsme. Donc, je travaille pour mes enfants. Toi, tu estimes que c'est l'égoïsme. Tu es bête. Je travaille pour mes enfants. Pour ma femme, mes enfants, ma famille. Je parle beaucoup plus de mes enfants. Je veux préparer l'avenir de mes enfants. Toi, tu me dis que c'est l'égoïsme. Parce que toi, tu es mon frère.
Je refuse de te donner l'argent. Il te dit que tu as tes deux mains, tes deux pieds, ta tête, tu es bien portant. Bats-toi. Tu me dis que c'est l'égoïsme. Si tu as l'argent, moi, ton frère, je dois aussi avoir l'argent. Bénou. Va là-bas avec ça. Je prépare l'avenir de mes enfants. Fais autant. C'est tout. L'égoïsme est où dedans? Je me bats. Je dois acheter des maisons. Je dois acheter des terrains. Je dois construire un patrimoine pour mes enfants. Quand vous regardez la Grande-Bretagne, quand vous regardez le royaume, la reine, le roi, vous pensez que ça vient d'où? C'est un héritage familial de père en fils, de génération en génération. Le premier du nom s'est battu pour préparer l'avenir de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'égoïsme est où dedans? C'est par ceux qui viennent toujours parler comme ça. Que bon, comme mon frère, c'est Samuel Eto'o, vraiment, il doit me donner l'argent, Non, il te donne parce qu'il veut, pas parce que c'est obligé. Oui. Et il n'y a pas l'égoïsme dans ça. Parce que tant que je privilégie mes enfants, je suis dans mon rôle. C'est pour ça qu'on vit. Le cycle de la vie, c'est ça. Tu te régénères à travers tes enfants. Ce n'est pas l'inverse. Comme tu vis, il y a quelqu'un qui est venu mentionner là que je vieillis. Oui, le temps passe. Je vieillis, c'est normal. Et je vais revivre à travers mes enfants. Voilà pourquoi je dois préparer l'avenir de mes enfants. C'est ça le rôle d'un parent. Je prépare l'avenir de mes enfants. C'est pour ça que tu as toute ta vie, toute une vie pour te battre, pour préparer l'avenir de tes enfants. Et non le contraire. C'est ça le but de la vie d'un être humain. C'est à travers tes enfants que tu revis. C'est-à-dire que tu reprépares encore ton propre avenir. L'enfant n'aura pas ta conscience, mais il a ton sang. Donc c'est toi qui te régénères à travers ton enfant. Ton objectif, c'est de te battre pour que ton enfant soit à l'abri du besoin dans lequel toi tu étais avant. Tu dois défricher, débroussailler pour que ton enfant puisse traverser. Et ton enfant, après toi, fera de même pour son enfant, ainsi de suite, de génération en génération. C'est comme ça. Moi, en tant que parent, je vous le dis, je ne peux pas accepter que mon enfant achète ma vie à 20 millions ou à 10 millions. Que je vois que ça va le ruiner. Je suis là. J'ai 70 ans peut-être. On dit qu'on doit me transférer le foie ou bien me transférer le poumon ou je ne sais pas trop quoi. Je vois mon enfant. Je n'ai pas vraiment positionné mon enfant comme il fallait. Et mon enfant est en train de se battre. On dit qu'il faut 10 millions, il faut 20 millions. Je regarde mon enfant comme ça, je dis non. Je ne veux pas les 10 millions, je ne veux pas les 20 millions. Investis dans quelque chose. Vis ta vie parce que j'ai vécu la mienne. C'est vrai que tu peux m'acheter quelques mois, quelques années, peut-être. Mais en m'achetant quelques mois, quelques années, tu te prives de beaucoup de choses. Et tu prives tes enfants aussi de beaucoup de choses. Donc moi, ayant déjà vécu, je préfère que les 10 millions là, ça ne tombe pas sur moi. C'est tout. Et donc vous voyez que les gens ici, là où nous vivons en Europe, ils ont réfléchi à ça. C'est pour ça qu'il y a les assurances ici. C'est pour ça que l'État ne s'amuse pas avec la santé des citoyens. Ça veut dire que tu ne verras jamais, au grand jamais, une situation pareille où les enfants sont obligés de vendre tout leur héritage pour sauver la vie d'un parent. Non, l'État va s'en charger. L'État s'en chargera. C'est pour ça que nous nous battons au niveau politique, pour que l'État mette à disposition des populations les moyens nécessaires pour se soigner, les assurances nécessaires, pour que des héritages ne soient plus dilapidés. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu me proposer un truc, et c'est récurrent. Quelqu'un vient me dire que, gars, il y a une maison là, vraiment, il a construit sa maison. Un benguiste, il a construit sa maison, c'était à 150 millions. Et il est en train de solder sa maison à 60 millions pour résoudre un problème de santé dans sa famille. Pour résoudre un problème, en fait, dans sa famille. Quand il dit de santé, c'est comme si je savais réellement c'était quoi le problème, non.
pour résoudre un problème. Une maison qu'il a conçue à près de 140 millions, 150 millions, il ne sait plus trop, il vend à moitié prix parce qu'il veut résoudre un problème. Un problème qui concerne sa famille. Et dès que mon frère, qu'est-ce qui vous arrive souvent? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça parce que l'État n'a pas mis en place des mécanismes qui peuvent éviter ce genre de trucs. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas à l'hôpital, on te soigne d'abord. Même s'il faut te réclamer l'argent après. On te soigne, on sauve d'abord ta vie. C'est ça le serment d'Hippocrate. On sauve d'abord ta vie. On sauve ta vie. Mais chez nous, là-bas en Afrique, vous allez voir, les enfants vont prendre toute leur vie, hypothéquer leur vie, parce qu'il faut venir soigner, il faut opérer, il faut X, il faut Y. Je répète encore, les seules personnes en qui vous avez ces obligations, c'est-à-dire que tu peux sortir 20 millions, 30 millions comme ça, t'endetter même pour sauver la vie, c'est la vie de ton enfant. Bah. C'est ça, parce que c'est l'obligation, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. L'enfant n'a pas demandé à naître. Donc, avant de passer votre temps à porter les charges de l'Afrique, mettre sur vos dos, pensez déjà d'abord à vos avenirs. Et il faut qu'on coupe ce cordon-là. Les gens en Afrique doivent savoir que ceux qui sont en Europe ne sont pas leurs vaches à lait. Ils doivent le savoir et mémoriser ça. Donc, je vous invite dimanche à 20h. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me contacter. Mon WhatsApp se trouve sur mon profil ici. Donc, vous allez sur mon WhatsApp là, vous allez voir. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Excusez-moi un peu, hein. Je fais un truc rapide là. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Mon WhatsApp se trouve sur mon profil là. N'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi votre histoire. Je vais la publier. Et vous aurez aussi l'opportunité de venir commenter, de venir raconter votre histoire en live. Et ce sera chaque dimanche. À partir de cette semaine, ce sera chaque dimanche à partir de 20h, heure de Paris. On en aura pour minimum 3 heures de temps. Et je vais prendre au moins 2 histoires. Au moins, minimum 2 histoires. Donc, vous devez m'appeler pour booker. Pour booker. Alors, notez déjà le numéro, c'est le 0044 74 24 32 56 52. Je répète, plus 44 74 24 32 56 52. Voilà mon WhatsApp. Je répète encore une dernière fois. Plus 44 74 24 32 56 52. Contactez-moi sur WhatsApp. Racontez, laissez votre histoire en voice. Si vous êtes prêt à ce qu'on la publie, laissez en voice. Et chaque soir, chaque jour, je vais publier au moins 3, 4 ou 5 histoires. Et le dimanche, on va faire le condensé de toutes ces histoires et on va débattre. L'antenne sera ouverte. Chacun pourra venir donner son point de vue. Mais avant ça, je vais recevoir, n'est-ce pas, les personnes qui seront bookées pour être reçues, qui vont nous raconter leur histoire en live. Et je préfère souvent, pour briser la chose, que les interventions se passent en vidéo. C'est très important parce que c'est un problème sérieux. Il y a mort d'homme. Il ne faut plus prendre les choses à la légère. Ça veut dire que si tu veux vraiment intervenir et que tu sais que ton histoire est fondée, interviens en vidéo. C'est-à-dire que les personnes à qui tu t'adresses te voient comment tu es exaspéré. Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de choses pourront changer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que personne ne pourra rien vous faire. Les seuls moyens de vous atteindre quand vous êtes c'est de vous atteindre physiquement. Les affaires de sorcellerie, de machin, n'y croyez pas. N'y croyez pas. C'est du chantage, tout simplement. Le seul moyen pour quelqu'un de t'atteindre, c'est physiquement. C'est-à-dire que quelqu'un va venir mettre un truc dans ton verre ou ta nourriture, des trucs comme ça. Non. Quand il n'y a pas de contact physique là, rien ne peut vous arriver. Donc, libérez-vous. Construisez vos avenirs. Construisez l'avenir de vos enfants. C'est très important et ça doit être votre priorité. La diaspora n'est pas l'esclave des familles restées en Afrique. Répétez après moi. La diaspora n'est pas l'esclave des familles restées en Afrique.
Mettez bien ça dans vos têtes. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie, Mama James. Comme je le dis toujours, le seul moyen de vous atteindre, c'est physiquement. Ne vous laissez pas emballer dans ces histoires. Personne ne peut rien vous faire tant que la personne ne vous touche pas physiquement. Croyez-moi, sur parole. J'espère qu'on est d'accord. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous. Vous étiez très nombreux ce soir. Et j'espère que vous avez retenu le programme. Pour ceux qui veulent écouter des histoires, abonnez-vous tout simplement parce que je publierai des histoires, au moins 3 histoires par jour. Au minimum 3 histoires par jour. Je pense que je vais vous donner des heures. Ce sera mieux. Je vais vous donner des heures. Donc, je vais publier des histoires à ces heures-là. Donc, je vais vous donner des heures. Vous allez écouter. Vous serez ébahi, j'en ai tellement des histoires ici, j'en ai tellement. Et si vous voulez me contacter, contactez-moi pour me raconter votre histoire en audio si vous voulez que je la publie. Vous me contactez au plus 44 74 24 32 56 52. Je répète que mon WhatsApp se trouve sur mon profil. Donc si vous allez sur mon profil là, vous allez voir mon WhatsApp. Je vais vous montrer qu'on soit un peu plus clair, hein. Si vous allez sur mon profil, même par mail, vous pouvez me contacter aussi. Vous voyez? Donc, voilà. Vous avez, mon Facebook, c'est Max Seigneur officiel, hein, pour ceux qui veulent passer par Facebook. Donc, si vous allez sur mon profil là, vous allez voir appeler ou bien email, tout ça. Dès que vous cliquez sur appeler, vous allez tomber directement sur mon WhatsApp. Voilà. Donc, je vais de toutes les façons, comment dire? Voilà. Voilà, vous voyez le lien là. Vous voyez le long lien ici. Le lien WhatsApp. C'est le lien WhatsApp. Tout le long lien là. C'est le lien WhatsApp. Vous voyez, non? Donc, si vous cliquez sur le lien là, comme vous voyez là, ça va vous rediriger directement vers WhatsApp. Si vous cliquez sur le long lien là, ça vous redirige directement vers WhatsApp. Donc, contactez-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp se trouve sur mon profil. Et laissez-moi votre histoire. En audio, ce sera encore mieux. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous encore. Étonne de Luxe. Josiane, merci. J'ai vu que tu as fait un bon travail de modératrice. Merci beaucoup à toi. Merci Yola Spock, merci à tous qui étaient là et consorts, merci beaucoup à vous. Et sur ce, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.